ta main, Esprit, ta main sur nous, ta main, Esprit, en ces lieux. Ta main, Esprit, ta main sur nous, ta main, Esprit, en ces lieux. Ta main, Esprit, ta main sur nous, ta main, Esprit, en ces lieux. Comme sur Élysée, Saint-Esprit, prophétisant au son de l'art, je demande ta main sur moi pour prophétiser. Comme sur Ézéchiel, Saint-Esprit, assis près du fleuve de Kébar, ta main si sur moi pour prophétiser. Ta main, Esprit, ta main sur nous, ta main, Esprit, en ces lieux. Ta main, Esprit, oui, ta main sur moi, ta main, Esprit, en ces lieux, 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 en ces lieux. En ces lieux, 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 papa, en ces lieux, en ces lieux, Shiloh, en ces lieux. En ces lieux, oui, en ces lieux, guéris les malades, en ces lieux, sauve les pécheurs, Jésus, en ces lieux, relève tes enfants, en ces lieux, visite-nous, en ces lieux, s'il te plaît, papa, en ces lieux, viens ici. En ces lieux, dans ma maison, en ces lieux, dans mon bureau, en ces lieux, à l'hôpital, en ces lieux, dans mes enfants, en ces lieux, dans ma santé, Jéhovah, en ces lieux, visite-moi, papa, en ces lieux. Agis ce soir, Jésus, en ces lieux. Glorifie ton nom, en ces lieux. Non pas à nous, en ces lieux, mais à ton nom, donne gloire, Seigneur. On va acclamer très fort pour le Seigneur. Bonsoir, soyez les bienvenus, la grande famille de la Porte des Cieux mondiale. Vous êtes à Kinshasa, vous êtes dans plusieurs pays, vous avez eu l'habitude comme ça d'être connecté au live depuis des années pour certains, quelques mois pour d'autres, quelques semaines et même quelques jours pour plusieurs qui ne me connaissaient pas, peut-être me connaissaient de loin et ils ont eu peut-être une occasion de se faire leur propre opinion de ma propre personne et du message que nous prêchons. Nous prêchons Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui pour l'éternité. Nous prêchons le plein évangile, toute la Bible en intégralité.
les doctrines fondamentales de la parole de Dieu et au centre de tout, Christ Jésus. Soyez les bienvenus ce soir à notre live. Et je suis très content d'être avec vous. Je suis surtout content de retrouver peu à peu ma voix que j'ai perdue. J'ai beaucoup travaillé, mais sinon, la voix est en train de revenir. Alors, j'ai besoin de vous ce soir. Je ne vais pas faire beaucoup de taxi. J'aimerais que là où vous êtes, partagez le direct. Allez au bas de l'écran. Aussi simple que ça, au bas de l'écran. Vous êtes sur le direct, vous allez au bas de l'écran. Vous allez voir les indications pour inviter tous les amis. Cliquez sur ceux qui s'identifient à vos amis et partagez le live à tous les groupes Facebook avec lesquels vous êtes en contact parce que ce soir, on va aller au Jourdain et nager dans les profondeurs de la révélation de la parole. Et ce soir, c'est ta soirée de délivrance. Alors là où tu sois confortablement assis, partage le direct. Je suis avec vous durant 45 à 50 minutes. Je vais vraiment être concis, direct et consistant parce que demain, on aura une longue nuit où on parlera de beaucoup de choses, on va beaucoup prier et Dieu nous fera grâce. Alors, allez, bas de l'écran, je vous attends, partagez le direct. Nous allons prier le Seigneur. Non, it's okay. Ça va aller. On va prier. Père, merci pour la soirée d'aujourd'hui. Père, donne-moi la sagesse, l'intelligence, l'autorité spirituelle afin de transmettre ta parole et de bénir ton peuple durant trois quarts d'heure. Libère ton onction sur moi et sers-toi de ma petite vie pour faire de grandes choses et bénis les hommes et les femmes qui nous suivent ici présents. Je les bénis tous et je décrète et déclare que des milliers de personnes seront touchées ce soir autant qu'ils l'ont été hier et même les semaines d'avant. Je les bénis tous et te promets toute la gloire pour tout ce que tu vas faire et réaliser pour nous. Laisse que les anges de la délivrance, les anges qui opèrent dans le combat spirituel, les anges guerriers qui travaillent dans le camp de Michaël, que ces anges guerriers entrent dans les maisons alors que la parole sera prêchée, que les anges soient en mouvement. Lorsque nous allons prier, que les chaînes soient brisées, que les liens soient rompus, que plusieurs sortent libres à lui de la parole et au contact de la prière que nous allons faire tout à l'heure dans le puissant nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Soyez les bienvenus, on acclame encore très fort pour vous, nous qui sommes au studio. Gloire à Dieu. Baisse un peu le son, mon fils. Bonsoir tout le monde, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Merci pour ceux qui nous rejoignent ce soir. Alors, je vais dire deux, trois choses avant de commencer directement mon message de ce soir. Numéro 1, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. La distance n'est pas une barrière. Ce qu'il a fait hier à Capernaum, 2000 ans passés, hier en Galilée, hier à Nazareth, il peut le faire encore aujourd'hui chez vous. Vous êtes oppressés par les esprits mauvais, possédés par des démons. Vous ne dormez pas la nuit, vous êtes vraiment oppressés. Ce Jésus-là m'a envoyé ce soir pour votre délivrance. Alors, soyez connectés du début à la fin. J'aurai 45 minutes pratiquement, trois quarts d'heure. Je vais vous partager la parole de Dieu. Je veux que vous soyez vraiment attentifs et connectés à Jésus-Christ. Il est écrit dans Actes 14, l'apôtre Paul était face à un impotent. Et alors qu'il prêchait, il vit que cet homme avait la foi d'être guéri. Vous savez, il doit avoir un contact entre le prédicateur et l'auditoire. Et il doit avoir un contact spirituel entre le pupitre et l'auditoire. Il doit avoir un contact entre l'homme que Dieu a oint et la personne qui est bénéficiaire de cette onction. Il faut qu'on sente qu'il y a un contact. Alors, soit avec moi, la distance n'est pas une barrière. Où que vous soyez, Dieu peut vous toucher là où vous êtes au travers de son oint qu'il a envoyé pour vous ce soir. Numéro 2, j'ai écrit cette nuit 50 points de prière contre les femmes et les maris de nuit. 50 points de prière pour les femmes et les maris de nuit. Alors, ce sont des prières inspirées, des prières d'autorité. Donc, point 1, au nom de Jésus-Christ, je m'attaque à telle chose. Au nom de Jésus, et tu développes cela dans la prière. Des fois, on ne sait pas faire des prières de combat spirituel. Et puisque Dieu nous a oint dans son armée pour élever une armée, je vais dorénavant commencer à écrire des points de prière. Là, j'en ai écrit 50. Bientôt, on va même écrire 100. Alors, vous pouvez avoir cela, c'est tout simple. Il y a un lien Telegram sur le statut de la vidéo. Au-dessus de la vidéo, il y a trois liens. Le lien de l'envoi de PayPal, le lien de la fondation et il y a un lien de Telegram qui est là. Vous pourrez cliquer dessus. Ne le faites pas maintenant, faites-le même après culte. Comme ça, vous êtes beaucoup plus concentré. OK, venez pas Telegram, téléchargez Telegram. C'est un peu comme WhatsApp. Vous avez déjà Telegram. Vous allez juste cliquer et basculer, entrer dans le groupe. Vous allez voir là le fichier PDF des 50 points de prière contre les maris et les femmes de nuit. OK? Et troisième chose que j'aimerais dire, j'ai une nouvelle à annoncer à tous ceux
et à toutes celles qui font partie de notre famille. Quand je dis famille, ce n'est pas forcément la porte des cieux en tant qu'église locale. Vous êtes de plusieurs églises, mais qui êtes bénis par notre ministère prophétique. Alors, nous avons notre structure sur Telegram qui nous permet de communiquer avec tous ceux qui sont connectés à mon message, à mon onction, à mon Dieu et à l'hôtel, la porte des cieux que nous avons ici à Kinshasa. Alors, vous pourrez entrer sur Telegram parce que, à vrai dire, ce dimanche, il y a une bonne nouvelle qui arrive à 22h. Donc, 22h, heure de Kinshasa, 21h GMT, c'est-à-dire temps universel. C'est aussi l'heure d'Abidjan, 23h, heure de Paris. Il y a une bonne nouvelle que j'ai adressée à la communauté des enfants de Dieu, mais je ne dirai pas ça sur le net. Vous pourrez aller entrer sur Telegram et être en contact avec nous. Pour la dernière des choses, alors la dernière avant de commencer à prêcher, tous ceux et toutes celles qui sont vraiment bénis par notre ministère, qui se disent « Prophète, tu nous bénis, on est bénis par les enseignements, on est vraiment reconnaissant, mais on est éparpillé dans le monde, on aimerait faire quelque chose de financier, de matériel, vous êtes les bienvenus. » Je reçois ce genre de messages. Hier, je pense, un jeune homme a transféré sur PayPal plus de 700 dollars, je pense avoir son mail ici. Je pense qu'il doit être au Sénégal. Il a, je crois, une bourse, quelque chose comme ça. Il a voulu envoyer, il m'a dit c'était sa dîme. Et on a reçu le mail d'accusé de réception que cela a été fait. Voilà, il y a des gens comme ça partout dans le monde qui expriment leur générosité à l'égard de ce Dieu qui les bénit par la parole et par beaucoup de miracles qui opèrent dans ce ministère. Alors, vous voulez le faire, c'est tout simple. Vous pourrez tout simplement aller sur Telegram. OK, sur Telegram, c'est simple. Cliquez dessus, vous aurez tous les liens qui pourront vous aider à envoyer votre générosité. J'ai mon fils Lionel qui est en Tunisie. Je te salue, mon fils. Il a dit, papa, j'ai l'impression que je n'ai pas vu beaucoup d'ordinateurs sur les photos. Et il a parlé avec moi. Il a dit, voilà, il s'est mis ensemble avec 2-3 personnes pour acheter un ordinateur. Et j'aimerais vraiment te remercier, mon fils Lionel, qui était protocole avec nous ici à l'église. Je suis très, très, très content vraiment que tu sois là et que tu aies vraiment suivi, les lives, que tu suives les lives, les directs et que tu sois autant béni. Vraiment, sois béni, va de l'avant, prospère. Et merci encore pour ta générosité. Voilà, il y a des gens comme ça qui se disent, voilà, je vais envoyer un micro, je vais acheter des instruments complets, je vais acheter des caméras, envoyer des logiciels, quel que soit ce que vous voulez faire, vous êtes vraiment les bienvenus de le faire dans toute la liberté. Amen, amen. Voilà, on va commencer avec la parole. Est-ce qu'on est prêt ce soir? Voilà, je vais revenir sur mon enseignement et on va aller encore en profondeur ce soir. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes présents? Voilà, je vais aller avec vous dans notre message d'aujourd'hui. Voilà, Labashi et Labasota Baya Labasa. Merci Seigneur. Est-ce qu'on est prêt? Yes, Lord. Are we ready? Yes. Est-ce qu'on est prêt pour aller en profondeur? Yes. Je vais avancer. Avance. Alors, nous parlons ici, baisse un peu le son, mon fils. Nous parlons ici des femmes et de maris de nuit. Et en guise d'introduction, nous avons insisté sur le fait que le dépistage spirituel est important. C'est-à-dire, on doit vous dépister. Autant que cela est physique, spirituellement, cela est le cas. Vous n'êtes pas encore marié, vous devez vous faire dépister. Vous êtes déjà marié, vous devez vous faire dépister. Vous devez faire un examen, des tests. Vous devez vérifier qu'est-ce qui ne va pas spirituellement. Quel est l'état de votre atmosphère spirituelle. OK ? Parce que généralement, ceux qui ne sont pas encore mariés, mais qui n'ont pas eu le temps de faire le dépistage et finalement de passer par la délivrance lorsque nécessité se présente, ont connu beaucoup de problèmes dans le mariage. Certains ont fini dans les divorces, d'autres sont mortes, elles sont restées veuves et plusieurs ont eu de divers problèmes parce qu'ils n'ont pas eu le temps de traiter les problèmes spirituels avant. Alors j'avais dit, voilà pourquoi c'est important de vraiment vérifier les situations spirituelles et notamment vérifier cette histoire de femmes et de maris de nuit. C'est quand même triste de dire, mais je connais des enfants de Dieu, des chrétiens, des chrétiennes qui ne dorment pas, qui ont peur de la nuit, qui ont même peur de dormir des fois le jour. Parce que lorsqu'ils dorment, ils voient un homme, une femme qui vient les connaître physiquement, sexuellement. Et à un moment, lorsqu'ils se réveillent, ils voient qu'ils ont sali leurs vêtements et ils sont choqués. Je connais des couples chrétiens. Vous allez même voir une femme, maman pasteur, elle a un mari de nuit. Elle se réveille la nuit, le mari regarde, il voit sa femme en train de bouger, comme effectivement lorsqu'elle est avec lui en pleine relation sexuelle. Et imaginez-vous, tu es pasteur, ta femme a ce problème.
Alors, le domaine de la délivrance, je l'ai toujours dit, c'est un domaine d'humilité. Si tu n'es pas humble, si tu n'es pas simple, si tu n'es pas brisé, tu ne seras pas délivré. Et toi, tu penses que parce que tu as des titres, parce que tu as des responsabilités à l'église, tu es ancien, ancienne, tu es bishop, tu es responsable des enfants, responsable des femmes, des pères, tu es pasteur, tu es prophétesse. Mais ça n'exclut pas que tu peux avoir des problèmes spirituels. Voilà pourquoi le dépistage était d'une grande importance. Alors, nous avons expliqué au fait les types de femmes et de maris de nuit. On a dit une première définition. Un mari ou une femme de nuit, c'est d'abord un démon qui visite une personne. Okay? C'est un démon, c'est un esprit mauvais. Alors, le concept des démons, je vais bien expliquer ça tout à l'heure. Le concept démon est un concept qu'on voit aussi dans l'Ancienne Alliance. Okay? Mais dont on ne parle pas beaucoup en détail. Ce n'est pas forcément le terme démon qu'on utilise, mais vous allez voir, on parle par exemple d'esprit impur. Vous allez voir ça notamment dans l'histoire de Saül qui était oppressé par un esprit mauvais venant de Dieu. Okay? C'était un esprit mauvais. C'était un esprit mauvais qui oppressait Saül et qui était finalement apaisé. Lorsque le prophète David jouait de la harpe, l'onction, la présence de Dieu faisait en sorte que cet homme était soulagé à lui de ce son de musique loin du prophète David. Alors, les démons existent et on voit dans le ministère de Christ, Jésus chassait beaucoup de démons. Lorsque Jésus parle le jour où il devait être ravi dans les cieux, le jour de l'ascension, on m'a dit aujourd'hui c'est le jour de l'ascension, je pense. Le jour de l'ascension, je pense hier ou bien aujourd'hui. On dit, Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils vont faire quoi? Ils vont d'abord chasser les démons. Alors Jésus a donné beaucoup de place à l'expulsion des démons hors du corps des hommes. Et on a dit, un démon ainsi peut venir visiter quelqu'un de temps à autre, mais c'est un mari de nuit, c'est une femme de nuit. Right. Deuxième définition, on a dit, ça peut être aussi un démon qui habite dans quelqu'un. Alors chaque fois qu'on parle de possession, que ce soit une possession démoniaque ou possession, je ne sais pas dire divine, ok, il y a toujours changement de caractère, changement de tempérament. Déjà, vous devez savoir qu'une femme enceinte est une femme possédée. Je répète, une femme enceinte est une femme possédée. Selon la mesure, n'est-ce pas, docteur? Dans la mesure où elle a, cette femme enceinte, elle n'a pas que son esprit à elle qui est à l'intérieur d'elle, mais elle a aussi un autre esprit à l'intérieur de son corps. Donc, elle est possédée, entre guillemets, n'est-ce pas? Elle a un esprit en elle. Voilà pourquoi... lorsqu'elle veut accoucher, en anglais on appelle ça to deliver. Hein, c'est une délivrance. Parce que l'accouchement, au fait, c'est l'expulsion d'un esprit hors du corps de la femme enceinte. N'est-ce pas? Alors, lorsqu'elle est habitée d'un esprit, en elle, on voit l'humeur de la femme changer. Elle peut être nerveuse, dans la joie, affamée, contrariée. Non pas parce qu'elle a voulu, mais parce qu'il y a un esprit d'un bébé en elle qui oriente son tempérament, qui oriente ses appétits, qui oriente même ses cinq sens, même l'odorat. Je connais une femme d'un pasteur, ils sont aujourd'hui en Afrique du Sud, ils sont à Cape Town, je ne citerai pas le nom, mais la femme, c'est une femme qui chante très très bien, et l'homme de Dieu, c'est un homme avec qui on a travaillé des années, et la femme était enceinte, première grossesse, elle a dit, chérie, j'ai envie de boire une Skol. Elle n'avait jamais bu une Skol de toute sa vie. Elle a dit vraiment parce qu'elle voyait au fait les bulles, voilà, les bulles là. Et puis, bizarrement, elle a eu envie, hein? Bulles d'air. Bulles d'air, hein? Vous étiez les soulards ici. Béni soit le Seigneur qui vous a racheté. Toi aussi, tu buvais? Tu buvais? Sors d'ici. Alléluia. Donnez-moi des cœurs et partagez le live. Est-ce qu'on est là d'abord? Voilà, donc une femme enceinte a un esprit en elle. Et vous allez voir, dans son tempérament, son odorat, son nuit, tout ce que la femme fait, au fait, elle le fait non parce qu'elle le veut, mais en fonction d'un esprit qui est en elle. C'est pareil avec le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est en toi, on doit avoir le fruit de l'esprit. On doit avoir l'amour, la patience, la joie, la foi, la bonté, la bénignité, la maîtrise de soi, et j'en passe, n'est-ce pas? Et quand un homme est possédé d'un démon, il va exprimer le caractère de ce démon. Si c'est un démon de cancer, il va manifester le cancer. Si c'est un démon de sourdité, il va rendre la personne sourde. Si c'est un démon de cécité, il va rendre la personne aveugle, c'est ça?
Si c'est un esprit, un démon muet, il va rendre la personne muet. Voilà pourquoi dans la Bible, vous allez voir, on dit esprit sourd et muet sort. Hein? Esprit de cécité sort. Ou bien esprit sort. Lorsqu'on cite ce nom-là, l'esprit ne sort pas que lui, mais il sort aussi avec la maladie, il sort aussi avec la caractéristique, ou bien le dépôt qu'il a laissé dans le corps de la personne, attaché à sa nature ou au nom qu'il porte. N'est-ce pas? Voilà pourquoi des fois on dit esprit de sida sort. Ce qui n'est pas que le sida naturel, c'est un sida démoniaque. Alors, lorsqu'une personne est possédée par un démon, de mari de nuit ou de femme de nuit, c'est là maintenant qu'on voit le caractère de la femme changer, le caractère de l'homme changer, parce que l'esprit ne vient pas seulement l'affecter, l'impacter, mais l'esprit habite en moi, l'esprit habite en toi. Et quand ce démon habite en toi, c'est là qu'on voit le tempérament d'une femme peut être changé, son caractère peut être modélé, pas parce qu'elle veut parler mal, pas parce qu'elle veut être blessante, pas parce qu'elle veut mal répondre, mais tout simplement parce qu'elle est habitée par un esprit mauvais. Voilà pourquoi ce soir, au nom de Jésus, je décrète et déclare que tous les esprits mauvais qui habitent en toi, quel que soit leur nom, quelle que soit leur adresse, quelle que soit la date de leur entrée dans ta vie, quelle que soit la porte d'entrée qu'ils ont eue, qu'ils ont pour accéder à ta vie. Ce soir, nous ordonnons aux démons de te lâcher au nom de Jésus. Que les démons s'en aillent au nom de Jésus. Je décrète et déclare que les démons partent et disparaissent au nom de Jésus. Je répète que les démons partent au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen bien? Là où tu es, donne-moi des cœurs et partage-moi ce live, invite tes amis. On est en train maintenant d'entrer en profondeur. Alors quand la personne est habitée par un démon, de mari ou de femme de nuit, c'est là qu'on commence à remarquer, baisse un peu le son s'il te plaît, qu'on commence à remarquer que le tempérament change, que le caractère change, que les humeurs de la personne changent. Lorsqu'elle est non mariée, elle a des mauvaises réponses, elle sent peut-être mauvais, elle a des problèmes d'infection, ça peut te créer beaucoup de problèmes, des règles douloureuses, dysménorrhées, aiguë, tu peux être là, tu sens comme si c'est un serpent qui va de gauche à droite de ton bas-ventre, ça crée beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. On était comme ça à Lubumbashi, ceux qui se rappellent, on était à la salle, j'ai oublié le nom de la salle, je ne sais pas si Ahmed peut se rappeler, dans une salle, j'ai fait une conférence de sur la puissance. J'étais avec le pasteur Gelor Lukama, le fils du pasteur Jean-Bastien qui est à Lubumbashi. Lui, il est de l'Afrique du Sud, de l'église Rama. On était ensemble et pendant le service, un moment, je déclarais, je chassais les démons. Une jeune femme qui était là, qui plus tard est devenue choriste dans notre église de Lubumbashi. Cette sœur, elle est un peu forte comme ça. Elle avait fait 5 ans sans voir ses menstruations. Je répète, 5 ans sans voir ses menstruations. Alors, quand je parlais et je libérais les anges qui devaient entrer dans la salle et opérer, cette sœur, elle a commencé à saigner sur le champ. Imagine 5 ans, tu es une femme dont là tu as des bouffées de chaleur. Là, pratiquement, tu n'es plus une femme. Je ne parle pas d'un mois, 2 mois, 6 mois. Je parle de, pas de 2 ans, 5 ans. Les femmes sont là, vous pouvez le savoir. Quand une femme a 5 ans, elle ne voit pas ses menstruations. Alors, l'onction de Dieu est tombée. Son ventre, ses entrailles ont été ouvertes. Ce démon est sorti. Elle a saigné sur le champ. Maman Patricia était là. La sœur Christelle Kinkel aussi, je pense qu'elle était là. C'était vraiment formidable ce qu'on a vu. On a pleuré, on a adoré Dieu, c'était formidable. Alors ce soir, j'aimerais te dire, vous, toutes les femmes qui ont des problèmes, des perturbations, des menstruations, des douleurs compliquées, des fois c'est naturel, mais même si c'est naturel, tu peux être guéri au nom de Jésus. Et au cas où c'est démoniaque, tu dois refuser cela. Parce que ça peut te créer des problèmes, tu n'es plus dans la paix, tu es à la maison en train de boire des médicaments, d'autres on doit les administrer des piqûres, elle va être là toute la journée parce que quand elle a ses menstruations, personne n'est en paix à la maison. Tout le monde, elle doit pleurer, elle doit être mal. Frère, des fois c'est les esprits de mari de nuit, ce sont les esprits de femme de nuit. Et ce soir, je commande dans l'autorité du nom de Jésus à ces esprits de te lâcher, à ces esprits de te quitter, à ces esprits de s'en aller et de partir loin au nom de Jésus. Dyspénorrhée, ce problème de règles douloureuses, ou bien tes règles sont en train de sauter. C'était ce mois, après tu ne vois rien, ça vient le mois prochain et c'est compliqué toutes les fois. Ton humeur est dérangée, ta stabilité en tant que femme est perturbée. Je décrète et déclare ta guérison maintenant. Et toutes les femmes qui n'ont pas vu, excusez-moi de le dire, ce n'est pas bien sain de le dire en public, mais j'aimerais le dire quand même. Vous n'avez pas vu vos menstruations, vos règles. Ça fait 2 mois, 3 mois, 4 mois. Maintenant, alors que je parle, avant minuit, if I be a man of God, si je suis un homme de Dieu, que ton corps soit guéri et que ces démons partent.
au nom de Jésus. Rappelez-vous, on était ici à l'église un mardi. C'était un mardi, je pense. En plein culte, une sœur était là pendant que je chassais les esprits et je déclarais, la sœur là où elle est, elle n'a pas pu se lever parce qu'elle avait pratiquement sali la chaise et puis ses vêtements. Elle n'avait pas vu ses règles pendant combien de temps? 4 mois. 4 mois. Elle a été sur le champ. C'est un témoignage qu'on a même eu ici à l'église. Elle a sur le champ saigné et elle a béni Dieu. Bon, c'est vrai que c'était pas grave que cela se passe à l'église, mais Jésus a voulu le faire à l'église et tout le monde en parlait ici. C'était les sœurs en particulier. On m'a fait parvenir le témoignage. Papa a pris 4 mois parce qu'elle était dans la présence de Dieu. Cet impact diabolique a libéré son corps. À partir de ce soir, vous êtes femme, vous avez des problèmes entre guillemets gynécologiques, des problèmes qui vous amènent toujours voir un médecin, des problèmes de matrice, problèmes de trompe, tout ça, les maris de nuit travaillent beaucoup dans ce domaine-là. Il va travailler à partir d'ici jusqu'en bas. Des fois, c'est la sinusite, des problèmes de respiration, des problèmes d'asthme, des problèmes de bas-ventre. C'est souvent la présence des maris de nuit, souvent la présence des esprits de mort. Tu es là la nuit pendant que tu dors. Tu es comme quelqu'un qu'on est en train d'étrangler. Tu sens comme si ton corps est en train de partir. Enfin, c'est l'esprit de mort, l'esprit de mari de nuit. Mais je parle à ces démons qui habitent en toi, ces démons qui t'oppressent, ces démons qui t'agressent. Je vous en donne ce soir dans l'autorité du nom de Jésus de quitter ces corps, de lâcher ces femmes, de partir, de vous en aller maintenant même dans le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire 3 fois. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Ça, on parlera vraiment des portes d'entrée demain. Et des conséquences demain et comment être délivré. Ça, c'est demain à la veille. Vous ne devez pas rater. Mais ce soir, je vais toujours expliquer des choses pour une meilleure compréhension. Quelqu'un peut dire « avance, prophète ». Oh, je sens une forte onction de l'esprit ici. Et je crois que Dieu est en train de libérer quelqu'un. Je crois que Dieu est en train de libérer quelqu'un. Si tu es là, donne-moi un amen bien. Je vois, je suis en train de voir dans mon esprit des fibromes sortir. Alors, ce soir, je ne prophétise pas, mais demain. Demain, c'est une nuit de la prophétie. Demain, on va prendre des personnes en ligne. Ils vont appeler, on va prier, prophétiser pour vous en direct. Mais je déclare que je vois des appendicites, des myomes sortir des corps. Des problèmes de matrice, des problèmes de trompe sortir des corps. Sois totalement guéri là où tu es maintenant, dans le puissant et glorieux nom de Jésus. Quelqu'un me donne un amen mieux que ça. Amen. Voilà, troisième type maintenant de mari et de femme de nuit, on a dit, c'est souvent les esprits de mort. C'est-à-dire l'esprit d'un mort, ok? L'esprit d'un mort qui vient, la bradiacé. C'est l'esprit d'un mort. Hein? L'esprit d'un mort qu'on appelle souvent l'esprit d'un revenant. C'est quelqu'un qui est déjà mort. Un homme qui est mort, une femme qui est morte. Mais son esprit continue à être manipulé par des personnes qui sont dans le monde occulte, dans le monde noir, dans le monde des ténèbres. Il continue à manipuler des esprits. Et l'esprit d'un mort habite dans une femme. L'esprit d'un mort habite dans un homme. Et quand on chasse ces esprits, qui es-tu? Je suis son père. Je suis son mari. Qui es-tu? Je suis son grand-père. Qui es-tu? Je suis sa tante. Qui es-tu? Je suis son oncle. Et puisque ce sont des esprits manipulés par des personnes, parce que lorsqu'une personne meurt, ok, vous allez voir, est-ce que je peux commencer à expliquer des choses maintenant? Vous allez voir dans l'histoire de Lazare et du riche, ok? Lorsque Lazare est mort, on dit que des anges sont venus et ils l'ont emmené. Mais lorsque le riche est mort, on a seulement dit que le riche est mort. Il est descendu dans les séjours des morts. C'est tout. Lorsqu'une personne est morte dans le Seigneur, il y a toujours un cortège d'anges, constitué souvent de son ange, ok? De son ange ou de ses anges. Matthieu 18, il est écrit, « Prenez garde de mépriser l'un de ses plus petits, parce que leurs anges voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Alors, quelques personnes nous sont posé la question, « Est-ce que les anges gardiens existent ?» Que tu appelles ange gardien ou pas, j'aimerais seulement te dire, c'est réel. Il y a des anges qui ont été assignés, un ange ou des anges qui ont été assignés à certains, excuse-moi, à tout être humain, pour conduire la personne tout au long de sa vie. Et cette personne donne rapport à Dieu dans les cieux. Cette personne veille à travailler pour que la personne s'engage dans la voie de la lumière, c'est-à-dire dans la voie du salut. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et Jésus dit, ces anges, leurs anges. Alors, il y a une différence dans Psaume 91. On dit, car il ordonnera à ses anges de te porter. Là, on parle des anges de Dieu. Mais dans Matthieu 18, on dit, car leurs anges. Alors, il y a des anges de Dieu et des anges des hommes. Ça veut seulement dire que les anges de Dieu sont de Dieu. Les anges des hommes sont aussi des anges de Dieu, mais assignés
à certaines personnes particulières. Quelqu'un me comprend? Alors, ces anges-là maintenant, quand un saint meurt, quand un homme qui est mort en Christ meurt, il y a toujours un cortège d'anges qui sont là pour prendre l'esprit de cet homme en ce moment-là. L'esprit de la personne part. Si c'était un oint de Dieu, un homme de Dieu puissant, l'onction, la grâce de Dieu peut encore rester sur tout ce qu'il a touché. Et ça, c'est biblique. Et ça, c'est vrai. Je ne prêche pas ici la nécromancie. Je vous dis seulement que c'est vrai. Voilà pourquoi Joseph avait insisté. Il a dit, ne laissez pas mes os ici. Vous allez prendre mes os et vous allez aller les enterrer mes os sur la terre que Dieu avait promis à Jacob dans Genèse 28, à Isaac, mais aussi à notre père Abraham dans Genèse chapitre 15, chapitre 16. Auquel a dit, ne laissez pas mes os ici. Mes os doivent être enterrés chez nous. Et le convoi des enfants d'Israël de l'Égypte jusqu'à la terre promise durant 40 ans, ils n'avaient pas que les ustensiles du tabernacle, ils n'avaient pas que leur manteau, que leurs vêtements, que leurs chaussures avec eux. Ils n'avaient pas que les outils du tabernacle. Ils avaient aussi les os d'un mort avec eux dans le convoi. Quelqu'un m'entend? Parce que dans toutes les civilisations, on a toujours cru en la puissance des reliques. C'est ainsi que dans le catholicisme, on donne beaucoup de place aux reliques. C'est-à-dire un saint, quelqu'un qui a marché avec Dieu. Bon, c'est général, tout le monde aussi peut avoir des reliques. C'est-à-dire les restes d'un corps, d'une personne morte. Je pense que mon fils, il est docteur ici. Lorsqu'on lave la personne, on nettoie le corps de la personne. Okay? Il y a des parties comme ça. Vous allez voir souvent les occultistes, les magiciens, les sorciers aimaient beaucoup les morgues, travaillent beaucoup avec ceux qui travaillent dans les morgues parce qu'ils recueillent des fois l'eau avec laquelle on a lavé les morts, n'est-ce pas? Ils peuvent aussi prendre les cheveux, les ongles, ceux qui sont les rastamens. C'est vraiment une culture qu'on coupe les cheveux des rastamens. Voilà, les habits, c'est des choses précieuses. Et vous allez voir des sorciers ou même des gens qui font des commerces dans le monde spirituel diabolique. Des fois, ils demandent des organes humains. Vous allez voir dans un pays comme la Côte d'Ivoire, on a vécu ça dernièrement, même le Gabon. Les voir, on prend quelqu'un, on tue, on laisse la personne en cours de route, mais vous allez voir que les intestins sont partis, le foie est parti, le cœur est parti. Quelqu'un m'entend? Ou bien une partie spéciale du corps part, ou bien les reins partent. Parce que dans le monde de la magie noire, ils ont besoin des foies, voilà, des parties restantes du corps humain. Posez-vous un peu la question, pourquoi Michael s'est précipité le corps de Moïse avec Lucifer? Pourquoi? Moïse est mort. Oui, il est mort, Dieu a enterré Moïse. Mais pourquoi on dit qu'ils se sont précipités les corps de Moïse? Parce que le corps d'un oint reste oint. Le corps d'un oint reste sacré. Et on peut utiliser les parties de son corps et en faire des reliques pour être orienté sur le plan diabolique et commencer à servir au pouvoir du diable. Voilà pourquoi maman Olang et papa Olang n'ont pas été enterrés n'importe où. Gabriel Oduimi n'a pas été enterré n'importe où. Benson Idaos n'a pas été enterré n'importe où. Papa Alexandre Adinabala n'a pas été enterré n'importe où. Les grands hommes de Dieu connaissent les principes spirituels. Quand un homme de Dieu meurt, une femme de Dieu meurt, on l'enterre souvent dans une parcelle, dans une résidence privée. On ne peut pas mettre ça dans un lieu public parce que les occultistes peuvent aller recueillir les parties du corps et aller travailler avec. Quelqu'un peut dire avec moi, avance prophète. Est-ce que je peux continuer à avancer? Je peux continuer à avancer? C'est ainsi que Élisée était déjà mort. Est-ce qu'on peut avancer là où nous sommes? J'aimerais que là où tu es, est-ce que je peux avancer? Donne-moi des cœurs, partage le live, invite tes amis, on est en train de monter. Aujourd'hui, je vais surtout parler des revenants et de la mort. Aujourd'hui, je vais parler comment quelqu'un qui est mort peut habiter dans quelqu'un. Comment quelqu'un qui est mort peut être encore vivant. Comment quelqu'un qui est mort peut habiter dans un corps. Comment quelqu'un qui est mort peut être encore manipulé. Là où tu es, donne-moi beaucoup de cœurs pendant que je développe et partage le direct, invite tes amis. Parce que durant le temps qui me reste, je vais vraiment commencer à expliquer des choses ici. Quelqu'un peut dire avance prophète? Lorsque Élisée est mort, on l'a enterré, mais sa sépulture était ouverte. Et alors qu'ils portaient un homme mort et qu'ils voulaient sauver leur vie, lorsqu'ils ont appris qu'il y avait des nouvelles de guerre, les Bariasat Arabasande, quelque chose s'est passé, ils ont pris le corps du mort et ils ont jeté. Mais dommage, ils ont jeté, ou bien heureusement, ils ont jeté sur le corps, sur les os d'Élisée. Et cet homme a repris vie à l'instant même. Et j'aimerais dire à ceux qui m'entendent ici, c'est l'onction qu'il y avait sur les os d'Élisée qui ont emmené cet homme à reprendre vie. Donc les os peuvent avoir un pouvoir spirituel. Okay? Beaucoup de chrétiens sont restés dans les Alléluia et Amen. On va au ciel prêcher Jésus. Amen, on va seulement au ciel. Mais à vrai dire, dans le quotidien, dans le tout, dans le chaque jour là,
il y a beaucoup de réalités que l'on voit. Et j'aimerais dire ici, je vais peut-être vous choquer, beaucoup de prêtres catholiques sont plus spirituels que beaucoup de pasteurs. Je répète, beaucoup de prêtres catholiques sont plus spirituels que beaucoup de prophètes. Beaucoup de prêtres catholiques sont plus spirituels que beaucoup de chrétiens parce qu'ils connaissent les choses ayant attrait à la spiritualité. Pourtant, beaucoup de chrétiens ne savent absolument rien du tout. Je ne dis pas que tout ce qu'ils font est bon ou bien tout ce qu'ils font est mauvais, mais j'aimerais seulement dire le temps de grandir dans la connaissance des choses spirituelles est arrivé. Dans le convoi de 40 ans, ils avaient les os de quelqu'un qui est mort. Et généralement, on dit que l'esprit de quelqu'un reste dans ses os. Avant même que l'esprit ne puisse entrer dans les corps, la Bible déclare qu'on a d'abord fait appel aux eaux. Vous allez voir ça dans Ézéchiel chapitre 37. Il y a beaucoup de mystères sur la terre. Et même dans certaines églises religieuses, lorsqu'ils baptisent une grande cathédrale au nom d'un saint, ils mettent toujours des reliques. Soit après avoir... comment on appelle ça lorsqu'on on brûle le corps d'une personne? Bien, incinération. Incinération, ok. On peut prendre les cendres de la personne et on met, parce qu'on invoque l'esprit. Et j'aimerais pas vous raconter ici comment se font des fois les dédicaces de certaines cathédrales catholiques. Portant le nom d'un saint, on fait toujours des cérémonies pour invoquer l'esprit de ce saint à être là. Frère, le monde spirituel a beaucoup de réalités. Tu ne peux pas être chrétien, être toujours là en train de « Oh, je vais au ciel ». Tu vas au ciel, oui, mais en attendant, tu es sur la terre. Et cette terre est devenue extrêmement spirituelle, extrêmement. La nouvelle décennie n'est pas que la décennie des épidémies et des catastrophes naturelles. La nouvelle décennie 2020-2030 n'est pas que la décennie de la 5G, de la technologie, de la nanotechnologie. Okay? Cette nouvelle décennie est aussi la décennie de l'économie. Le domaine économique qui est en train de changer dans le monde entier. Mais c'est aussi la décennie de la haute spiritualité. Quand vous tombez sur Netflix ou bien sur d'autres applications comme ça, vous allez voir des films aujourd'hui. Tous les films tournent autour de la spiritualité. C'est toujours la spiritualité. C'est toujours des démons. C'est toujours des néphilim. C'est toujours des vampires. C'est toujours des revenants. C'est toujours la géométrie magique. C'est toujours l'astrologie. C'est toujours les sorciers. C'est toujours les personnes qui sont nées d'un homme normal et puis d'une sorcière. C'est beaucoup de réalités. Et quand vous ne savez pas ça, chers chrétiens, ce sont vos enfants qui sont exposés. Quand vous ne savez pas, chers chrétiens, ce sont vos enfants qui sont exposés à l'école. « Oh, je vais aller en Europe. Ma fille va aller étudier en Europe. » Quelle Europe aujourd'hui? L'Europe aujourd'hui des sorciers, des sorcières. Quel Canada? Quel États-Unis? Je préfère encore laisser mon enfant étudier ici, dans une école chrétienne, que d'aller étudier n'importe où, juste à cause du prestige ou bien des avantages que donneront ce diplôme demain sur le marché professionnel. Frère, le monde est déjà pourri là où nous sommes. Et tu dois monter en spiritualité. Tu dois monter en connaissance des choses spirituelles. Alors ici, j'ai dit, mes frères et sœurs, l'esprit de quelqu'un qui est mort peut habiter dans quelqu'un. Ok? Et devenir son mari ou sa femme de nuit. Prophète, comment cela est-ce possible? Ok? Je vais d'abord commencer à expliquer quelque chose ici. Je vais lire avec vous d'abord dans Lévitique. Lévitique. Écrivez. Écrivez Lévitique. Lévitique. Lévitique 20, verset 27. Écrivez avec moi. Lévitique 20, verset 27. On avance. Lévitique 20, verset 27. Lévitique 20, verset 27. Lévitique 20, verset 27. On peut avancer? Je lis avec vous. Écrivez avec moi. Je vais voir ça ici. Lévitique 20, verset 27. Les bariasso tarabayande lébissé. Lévitique 20, verset 27. On y va? Il est écrit, si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort et on les lapidera, leur sang retombera sur eux. Je répète, si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort, Dieu reconnaît, quelqu'un m'entend? Dieu reconnaît qu'un homme ou une femme pouvait avoir, pas hors de lui, mais en lui, l'esprit d'un mort. Alors, la différence qu'il y a entre l'esprit de mort et l'esprit d'un mort, c'est d'abord quoi l'esprit de mort? L'esprit de mort, c'est cet esprit qui vient pour t'amener à mourir avant ton temps. Dans Jean 13, je pense, on dit
Jésus qui savait déjà que son heure était arrivée. Là, je pense que c'est Jean 13, verset 1 et suivant. Son heure était déjà arrivée. Vous voyez, au début, dans Luc, chapitre 4, verset 18, lorsqu'on voulait mettre Jésus comme roi, il a refusé parce que l'heure n'était pas encore arrivée. Quand on voulait le jeter du haut de la falaise, il n'était pas mort parce que son temps n'était pas encore arrivé. Mais Jésus savait, maintenant là, mon heure est arrivée. Chacun a une heure, a un jour précis, a une date limite. Dieu a mis une limite, tu vas partir à telle date, tu vas partir en tel jour. Ok. Nous avons ce désinfectant, ok. Quand vous regardez, vous allez voir, très souvent, il y a ce qu'on écrit, on appelle ça date d'expiration, je pense péremption aussi. Date d'expiration. Donc, il y a la date de fabrication, il y a aussi la date d'expiration. C'est-à-dire, même le produit pharmaceutique ou n'importe quel article des fois, des boîtes de conserve et plusieurs autres articles, vous allez voir, il y a une date de création. On l'a créé tel jour et aussi une date d'expiration. Tel que vous êtes là, vous avez aussi une date de création. Vous êtes né un certain 4 octobre comme moi. Vous êtes né un certain 18 mars. Vous êtes né un certain 20 avril, ok? Vous êtes né un certain jour. Mais vous avez aussi un jour qui sera le jour de votre mort. Et entre le jour de la naissance et de la mort, le temps que vous avez là, c'est le temps que Dieu vous a donné pour vivre sur la terre et accomplir ce pourquoi vous êtes né. Ok? Il y a deux jours qui sont les jours les plus importants dans la vie d'un être humain. Numéro un, c'est le jour où il est né. Numéro deux, c'est le jour où il découvre pourquoi il est né. Ok? Naître, c'est exister. Mais commencer à vivre pour le but pour lequel tu es venu sur la terre, c'est ce qu'on appelle la vie. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent, mais qui n'est pas dans son but, existe. Il existe comme la faune, la flore, les vents, les moustiques qui peuvent mourir comme ça. Tu tues une moustique, tu enlèves la moustique. Okay? La vie commence lorsque on découvre son but et on vit pour ce but-là. En accomplissant la mission pour laquelle tu es là sur la terre durant le temps qui t'a été imparti. Quelqu'un peut dire amen très fort. Amen. Alors, l'esprit de mort maintenant, par exemple, tu es né en 2020 et tu meurs en 2030, ok? Et voilà. Et maintenant, un esprit vient, l'esprit sait que tu as 10 ans de vie sur la terre, mais il vient peut-être en 2022. Parce qu'il veut t'empêcher de jouer de restants des années ici-bas sur la terre. Est-ce que je peux dire quelque chose? Lorsqu'un occultiste ou un magicien ou un agent du diable entre en scène, qu'il sacrifie quelqu'un. Par exemple, je sacrifie un jeune homme de 16 ans qui allait peut-être vivre jusqu'à 76 ans. Ok? 76 ans. Ça fait 60 ans, n'est-ce pas? Voilà. Lorsque je tue cet enfant-là, les 60 ans-là, ne sont pas gérés par Dieu. OK? Les 60 ans-là sont gérés par l'esprit par l'esprit qui a conduit cet homme à tuer cette personne. Si c'est un occultiste, il peut même mettre les 60 ans dans les années de sa vie. Et vous allez voir comme ça, des reines qui ne meurent pas, des rois qui ne meurent pas. Des présidents qui ne meurent pas. Toi, tu poses la question, ce sont les restants des années de vie des gens qu'on utilise pour notre compte. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? Lorsque quelqu'un se suicide, surtout le suicide, lorsque quelqu'un se suicide là, il est encore entre les deux mondes. Il ne va pas en enfer, non. Son esprit là est à la disposition des... C'est comme ça que les gens qui se sont suicidés, souvent les occultistes vont dans les cimetières. Vous êtes allé... Vous avez pleuré, vous avez pris des fleurs, vous avez jeté, vous avez fait la prière, vous avez enterré, vous avez cimenté, vous êtes embrassé et vous êtes allé. Okay, j'essaie de rimer seulement. Et que vous partez le soir, il y a des gens qui viennent. Ils viennent faire quoi? Vérifier si l'esprit était l'esprit d'un saint ou pas. Et si ce n'est pas l'esprit d'un saint, ils récupèrent l'esprit. Et ils vont aller utiliser le restant des années que la personne devait avoir. Même sa force peut être utilisée dans le compte de quelqu'un d'autre. Nous, on a vu au Bénin quelqu'un mourir à Cotonou et apparaître à Porto Novo. On le donne un corps là, un corps mystique, mais son esprit, il est comme un zombie. Il ne se rappelle de rien et il travaille dans un champ.
comme un fermier. Il travaille dans un champ pour labourer la terre. Frère, voilà pourquoi la mort a beaucoup de mystères. La mort a beaucoup de mystères. Il y a beaucoup de mystères dans ce monde. Ça fait quelques années, quand Dieu a commencé à me dire, Joël, parle à l'église des esprits de mort. Quand j'ai commencé à parler de ça, j'ai commencé maintenant à faire des recherches, à poser des questions, à réfléchir. Dieu m'a dit, Joël, le monde des morts, c'est un monde mystérieux. Il y a combien d'anges de la mort? Il y a l'ange de la mort qui était apparu, n'est-ce pas, en Égypte. L'ange de la mort là qui a tué les prémenés, les Égyptiens. C'est un ange de Dieu ou du diable? On peut avancer? D'Apocalypse, on dit que le roi de l'abîme, le roi de l'abîme, celui qui avait le pouvoir sur tous les êtres qui sortaient du puits de l'abîme, il s'appelait Abaddon Apollyon. C'est un ange de Dieu ou du diable? On parle dans Apocalypse chapitre 6, quand on parle des quatre cavaliers. On dit, un, il s'appelle comment? La mort. Alors, la mort, c'est un mystère. Mais seulement, beaucoup de chrétiens ne savent que peu de choses. Dans les anciennes civilisations, partout, il y avait un dieu des morts. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Il y a toujours existé un dieu des morts dans toutes les nations de la terre. On croyait toujours en un dieu. Ok? Par exemple, dans la mythologie grecque, il y a celui qu'on appelait Hadès. Donc, il y a le Panthéon avec des dieux et un dieu supérieur. Mais il y avait un dieu qui se chargeait des morts, de leur passage, hein, qui se chargeait du monde des morts. Très important. Poséidon, c'était la mer. Zeus, c'était le dieu du ciel et puis de la terre, ainsi de suite. Ok? Dans la mythologie égyptienne, il y a Anubis. Ceux qui ont suivi le film sur les dieux d'Égypte là, il y a Anubis qui avec tout son staff travaillait pour faire le passage des esprits et des morts vers un certain lieu. Ok, Anubis, de la divinité nordique, il y a Odin qui s'occupe aussi du domaine de la mort. Dans l'hindouisme, il y a le dieu Yama, le demi-dieu de la mort, qui récupère les défunts et qui rejoint le ciel. Ok, dans les pays basques, il y a Marie, déesse de la pluie et de la fertilité, qui loge sous la terre. En Bretagne, harmonique, il y a l'Ankou. Au Japon, il y a la déesse Izanami. En Haïti, il y a l'esprit baron. Ceux de l'Haïti peuvent me confirmer. Et plusieurs autres. Dans chaque mythologie, dans chaque civilisation, on croit aux morts. On croit au monde des morts. On croit au contact des hommes avec les morts. Voilà pourquoi Dieu avait refusé. Il dit, moi Dieu, je sais qu'il y a des choses qui existent. Je sais. Mais pour vous, je ne veux pas. Ok? Par exemple, au beau milieu de la nuit, à la troisième veille, je pense, à la quatrième veille, je pense, Jésus apparaît en marchant sur les eaux. Sur les eaux, Jésus marchait. Les apôtres ont dit, c'est quoi ça? Ils ont dit, c'est un fantôme. En d'autres termes, c'est un revenant. Parce qu'autrefois, on croyait, même les pécheurs aujourd'hui savent, quand tu vois l'esprit de quelqu'un dans la mer, dans les eaux, on sait très bien que c'est l'esprit des morts. Soit c'est un esprit mauvais, soit c'est un esprit marin, ok? Ou soit c'est l'esprit de quelqu'un qui est mort dans les eaux, qui cherche le repos. Et les apôtres ont dit, c'est un fantôme. Jésus a dit, ne craignez pas. Il n'a pas dit, les fantômes n'existent pas. Il a dit, ne craignez pas. Parce que même les pécheurs savent qu'au niveau des eaux, lorsqu'on voit, ça se passe ainsi, même ceux qui travaillent dans les morgues, ok? Ceux qui sont dans les, ou bien ceux qui travaillent là où il y a des cimetières avant, ils savent. Quand on entend les pas de quelqu'un, on sait que c'est l'esprit de quelqu'un qui était là, qui était mort là. Et c'est des choses comme ça qui se passent, frère. Si tu dois monter, partage-moi le direct, invite tes amis. On est en train d'avancer. Ok? Les morts ne sont pas que dans les séjours des morts. Il y a des morts qui sont ici sur terre. Ils habitent des maisons. Ils habitent des corps. Ils habitent des hôpitaux. Ils habitent comment on appelle ça? Ils habitent des... Là où les élèves vont souvent... Les internats. Voilà. Ils habitent plusieurs lieux comme ça. Les morts. Il faut que tu sois au courant de ça. Est-ce que je peux commencer à expliquer des choses ici? Je vais lire 1 Samuel 28. 1 Samuel 28. Ici, on a l'histoire... Écrivez seulement 1 Samuel 28. On a l'histoire du roi Saül. Il veut aller en guerre. Il dit non. Il consulte Dieu. Il fait tout. Par le Urim, le Thummim, les songes, tout.
Dieu ne lui dit rien, même pas un clin d'œil. Alors il se dit, je dois parler avec un mort. Qui ? Samuel. C'est la seule personne qui peut me prophétiser ici. Alors, il se cache, il se couvre, il va vers une femme qui invoquait les morts. Ok ? Qui travaillait en contact avec les morts. Parce qu'on faisait la divination en étant en contact avec les morts. Voilà pourquoi vous allez voir dans Lévitique, on dit, si quelqu'un a l'esprit d'un mort, bien qu'il travaille de la divination. Bizarrement, je peux dire ça à une école des prophètes, pour ceux qui sont plus élevés en esprit. Pourquoi ? On a tendance à croire dans la Bible que les morts connaissent le futur. Ok ? Que les morts connaissent ce qui est caché. Ça, c'est beaucoup de choses qu'on va révéler, mais je ne me permettrai pas de dire ça. Si je dirais ça dans un auditoire un peu plus spécifique. Est-ce qu'on peut avancer ? Et cette femme est allée parler. Elle a dit, bon, tu veux que je remonte qui ? Que je fasse monter qui ? Parce que c'est une femme qui avait la capacité d'être en contact avec le monde des morts. Elle dit, tu veux que je fasse monter qui ? Parce que le séjour des morts est en bas. Pourquoi on enterre les gens en bas ? On les amène 6 pieds sous terre. Tu sais pourquoi ? Parce qu'on les rapproche du monde des morts. Lorsque la rébellion a eu lieu dans le désert avec Moïse, la terre s'est ouverte, n'est-ce pas ? La terre s'est ouverte. La Bible déclare que ces hommes-là qui avaient fait la rébellion, ils sont entrés vivants dans le séjour des morts. Le séjour des morts, c'est en bas. Le ciel, c'est en haut. Moi, je suis déjà allé au séjour des morts. On est descendu, on descend toujours. On descend de le séjour des morts. C'est comme quand on dit monter à Jérusalem et descendre à Jéricho. Il y a un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Quand on parle de l'histoire du bon samaritain. De Jérusalem à Jéricho, c'est de la descente. Pour aller à la montagne de l'Éternel, on dit qu'il faut monter. Dans le séjour des morts, on descend. Ok ? Dans le monde, dans le paradis, on monte. Dans le séjour des morts, là, dans le séjour des morts, là, à l'intérieur, là, Bradiyasat, là-bas. À l'intérieur, là-bas, c'est là que ces esprits sont. Elle dit, ok, je vais appeler Samuel. Samuel, 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 est-ce qu'il y a Samuel ici ? On cherche Samuel, on cherche Samuel. Et on a dit, ok Samuel, il y a quelqu'un qui a besoin de toi ici. Et puisqu'on parlait de ce Samuel-là, Samuel le prophète est monté. On a dit, un Elohim, la Bradiyasata, le Kariyababa Sande. Un Elohim est monté, oh my God. Un Elohim est monté. Il est monté du monde des morts. Lorsqu'il montait, il montait, il montait, il est arrivé. La femme a regardé, elle a dit, hé, Samuel est venu. Parce qu'un homme a appelé et dit, si le grand prophète Samuel est monté, ça veut dire que la personne qui l'appelle n'est pas n'importe qui. Et la femme a dit, tu es qui alors ? Elle a regardé comme ça, il s'était caché. Il a dit, reste calme. C'était qui ? C'était Saül. Il dit, parce que le grand prophète ne peut pas remonter du monde des morts si ce n'est pas quelqu'un d'important qui vient de l'interpeller, qui vient de l'appeler. Les Bariyabasakarababasande. Les Boriyakarababasata. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire, avance prophète très fort ? Donne-moi un bon avance, prophète, là où tu es. J'aimerais te voir partager là où tu es. Partage-moi le direct. Donne-moi des cœurs là où tu es. Partage-moi le direct. J'aimerais te voir partager. Partage-moi le direct. On est en train d'avancer. On est en train d'avancer. Les barabaso talabaye. Que le Dieu des cieux te visite. Que le Dieu des cieux te délivre. Que le Dieu des cieux te sauve. Et que la mort soit loin de toi. Dans le puissant nom de Jésus. Quelqu'un peut dire amen très fort. Et Samuel est monté et ils ont commencé à parler. Alors, comment cette femme a pu être en contact avec l'esprit des morts? Parce qu'il y a des personnes qui travaillent dans la nécromancie. Ils peuvent être connectés au monde des morts. Ils peuvent parler avec des morts. Mais nous, Dieu avait interdit cette pratique aux enfants d'Israël. Quand Dieu interdit, ce n'est pas que ça n'existe pas. C'est que ça existe, mais Dieu refuse cela. Il ne veut pas que vous puissiez écouter les morts, mais il veut que vous puissiez écouter sa parole. Alors, à partir d'aujourd'hui, je veux que tu enlèves cette mentalité. Comme j'ai rêvé de papa lundi, ça veut dire que cette semaine, j'aurai beaucoup d'argent. Comme j'ai rêvé de maman mardi, ça veut dire que Dieu est en train de me parler. Dieu n'a pas besoin de t'envoyer un mort quand il veut te diriger. Il a sa parole, il a le Saint-Esprit, il a les prophètes, il a des hommes. Dans l'histoire, là, du pauvre Lazare et du riche, vous vous rappelez de cette histoire ? Cet homme dit, que l'on remonte quelqu'un du monde des morts pour aller prêcher. Il dit non, ils ont déjà les prophètes, ils ont déjà les serviteurs de Dieu qui vont les prêcher. Quand Dieu veut te parler, il te parle d'abord à toi par la parole, par la Bible. Ne vis pas dans une superstition dans laquelle tu dépends toujours et toujours et toujours de ce que tu vois de ton père qui t'est apparu ou de ta mère qui t'est apparu. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen bien là où il est? Les Bariyabaso Talabaye. Les Kariyamandolo Sotoriye Menekoto. Les Pariyamandarabako Rabasata. Les Koriyabarababasanda. Alors, je termine en expliquant quelque chose ici. Il existait autrefois une magie.
il existait autrefois une sorcellerie. Et cette sorcellerie faisait qu'on pouvait être en contact avec les morts. Je vais lire pour vous Apocalypse. Apocalypse 9. Wow, je vois les réactions, les gens sont très très fortes ici. Apocalypse 9, verset 20. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni boire, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leur enchantement. Enchantement veut dire pharmakia en grec. Pharmakia. Quelqu'un peut dire pharmakia. Tape avec moi pharmakia. Je vais expliquer ça pendant 10 minutes et je clôture mon message de ce soir. Dis avec moi pharmakia. Pharmakia, pharmakia, pharmakia. Voilà, pharmakia. Comme pharmacie. À la fin, tu mets K-I-A. On appelle ça pharmakia. Pharmakia. Dis encore pharmakia. Pharmakia, pharmakia, pharmakia. Je lis un dernier texte dans Ézéchiel. Dans Ézéchiel. Je vais garder un jour vraiment parce que beaucoup de chrétiens ne savent pas quand on meurt, on va où. Et beaucoup de choses, les chrétiens doivent grandir. Il faut qu'on monte. Ézéchiel chapitre 13. Ézéchiel 13. Là, c'est la version vétérotestamentaire de ce concept de pharmakia. Je vais expliquer ça tout de suite. Ok? Ézéchiel 13. Ézéchiel 13 à partir du verset 18. Ézéchiel 13, 18. Ézéchiel 13, 18. Tape pharmakia, 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 pharmakia. Ézéchiel 13, 18. Je suis déjà à la fin de mon message. Ézéchiel 13, 18. Ézéchiel 13, 18. Pharmakia. C'est même d'où vient le mot pharmacie. Ok? Pharmakia. Ézéchiel 13, verset 18. Tu diras ainsi par le Seigneur l'Éternel, malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles. Et qui font des voiles pour leur tête, pour la tête des gens de toute taille, afin de surprendre les âmes. Vous entendez? Afin de surprendre les âmes. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver vos propres âmes? Verset 19. Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain. Et tuant des âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre les âmes qui ne doivent pas vivre. Soulignez bien cela. On dit ici, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre. Verset 20, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, voici j'en veux à vos coussinets, vos amulettes, vos coussinets par lesquels vous supprimez les âmes afin qu'elles s'envolent. Oh mon Dieu, vous pouvez continuer à lire ça. Dieu en veut à ces personnes. Vous faites vivre des gens qui ne doivent pas vivre. Ok? Vous faites vivre ceux qui ne doivent pas vivre. Et vous faites aussi le contraire. Il dit ici, vous tuez les âmes qui ne doivent pas mourir et vous faites vivre les âmes qui ne doivent pas vivre. Donc, les personnes mortes, vous les faites vivre. Les personnes vivantes, vous les tuez. Et c'est une ancienne magie. Quand on parle de pharmakia, c'est le mot qu'on utilise pour sorcellerie des fois, mais surtout pour drogue. Okay? Quand on parle de drogue, on parle de drogue, on peut parler de cigarettes, d'alcool, de tout ce qui est drogue. C'est un grand marché dans les boîtes de nuit aujourd'hui, c'est incroyable. J'étais au Rwanda, Kigali, c'est terrible dans la jeunesse aujourd'hui au Rwanda, même dans beaucoup de pays, les jeunes qui se droguent, chicha, tout ça, c'est vraiment la folie ce qui est en train de se passer. C'est aussi le mot pharmakia, le concept de pharmakia. Quelqu'un est avec moi? Et dans l'Ancien Testament, c'était surtout lié à des amulettes qu'on avait. On pouvait faire vivre une âme qui ne devait pas vivre et faire mourir une qui devait vivre. Donc, on pouvait tuer une personne ou bien ramener quelqu'un des morts et le permettre de vivre dans une autre enveloppe charnelle. Et c'est ce genre de magie encore que Satan est en train de faire aujourd'hui. Et Dieu a dit, ils ne se sont pas repentis de leur enchantement, de leur pharmakia. Ils ne se sont pas repentis de cette ancienne tradition magique et sorcellerique qui faisait en sorte que par le canal de certaines pratiques, de certaines incantations, de certaines paroles, de certains pentacles, de certaines connexions avec le monde invisible et ténébreux, on pouvait remonter des morts un esprit, parler avec lui, l'assigner une mission, l'envoyer dans un travail. Voilà pourquoi aujourd'hui je décrète et déclare tous les esprits des morts, pas de morts, les esprits des morts, Yabatubakufa, the spirit of dead person, l'esprit des gens qui sont morts,
qu'on envoie vers toi pour te distraire, pour te tuer, pour t'envoûter, pour détruire ce qui est autour de toi, nous paralysons leur œuvre, nous détruisons leur œuvre, nous cassons leur élan. Au nom puissant de Jésus-Christ, je décrète et déclare que tu es libre là où tu es. Tu es libre là où tu es, 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 dans le puissant nom de Jésus-Christ. Là où tu es, je te couvre de le sang de Jésus. Je te rends invisible devant toutes les ruses de l'ennemi. Ton père est gardé de l'esprit de mort. Ta mère est préservée de l'esprit de mort. Tes enfants sont préservés de l'esprit de mort. Tout ce que tu as est préservé au nom de Jésus. Tous ceux qui invoquent les morts contre toi, je décrète et déclare qu'un, parmi tous les morts était mort. Mais on l'appelle le premier-né d'entre les morts. Il était mort, non seulement mort, mais il est aussi ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Il a dit à Jean, j'étais mort, maintenant je suis vivant. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Dans le nom de Jésus, tout esprit de mort qui attaque ta santé, qui attaque tes finances, qui attaque tes relations, qui attaque ton mariage, qui attaque tes enfants, qui attaque tes songes, qui attaque ton sommeil, tous ces esprits de la nuit qui viennent finalement habiter en toi, habiter dans tes rêves, qui viennent te parler, t'instruire, ce contact-là, nous le coupons au nom de Jésus. C'est un ange qui te parlera, c'est l'esprit qui te parlera, c'est la parole qui te parlera, c'est la doctrine qui te parlera. Mais ce n'est pas un mort qui va conduire ta vie, parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais Dieu est le Dieu des vivants. Jésus n'est pas mort, il était mort, mais il est ressuscité et assis à la droite du Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, je mets le sang de Jésus sur ta maison, le sang de Jésus sur tes fenêtres, le sang de Jésus sur ta voiture, dans tes allées et tes retours, dans ce que tu manges et tu bois, je mets le sang de Jésus, sois protégé, sois gardé, sois couvert, et que ces esprits de mort qui sont devenus les femmes de nuit de ta vie, les maris de nuit de ta vie, libère ton corps, sors de ta vie, sors de ta vie, sors de ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ, et nous disons amen. Acclame très fort pour le Seigneur là où tu es. Oh my God, my God, my God. God bless you, God bless you, God bless you. God bless you, merci mon fils. Alors, soyez bénis au nom de Jésus. Quelle parole, comment a été béni ce soir? Que Dieu soit glorifié. Je prends moi le temps de vous expliquer des choses. Demain c'est le grand jour. Demain c'est le grand jour. Vous avez été béni ce soir. Donnez-moi 120 secondes. Je vous donne des communiqués et je vous bénis. Je dois aller aussi travailler tout à l'heure. J'ai un autre direct avec l'une de mes filles prophétesses, Inès Toto, elle est aux États-Unis et je parlerai de mon témoignage. Vous pourrez suivre le lien, je donnerai les références tout de suite. Vous allez voir cela. Mais sinon, vous avez été béni, vous dites prophète, j'aimerais envoyer mon offrande du prophète, ma dîme, mon offrande, mon action de grâce. C'est simple, au-dessus de cette vidéo, il y a des liens. Le premier lien, on a écrit Macabo, ok? C'est un lien sur le statut de la vidéo. Cliquez dessus, vous pourrez envoyer par PayPal, Mastercard, carte Visa, votre offrande, 15 euros, 20 euros, 50, 100, 200, 1000, 10 000, tout ce que tu as, envoie et connecte-toi à l'autel, honore la parole que tu as encore entendue aujourd'hui. Ou même, tu veux envoyer par Western Union et MoneyGram, tu n'as pas ces histoires de cartes, c'est compliqué. Un numéro de téléphone est au bas de la vidéo. Allez, cliquez, écrivez sur ce numéro. Le frère Christian Mba, qui est mon PA, prendra le soin de vous répondre et de vous donner les coordonnées par lesquelles vous pourrez envoyer votre offrande, votre dîme, votre action de grâce ou même votre générosité. Même vous êtes à Kinshasa, le lien est là. Vous êtes avec Orange Money, M-Pesa, Airtel Money. Envoyez votre offrande maintenant. Vous êtes de la porte des cieux honorés. Beaucoup de chrétiens, après ce confinement, vont être secs, vont être pauvres, vont être bloqués. Vous savez pourquoi? Parce que quand on avait confinement, ils avaient confiné leurs poches. Ils ne faisaient que pouvoir aux besoins de leurs femmes, de leurs maris, de leurs enfants, de leur voiture pour le carburant, de leur groupe électrogène pour le carburant, mais pour la maison de Dieu, pour Dieu, ils ne donnaient plus. Ils attendent que le culte revienne. C'est une très mauvaise stratégie. C'est au contraire maintenant le temps de donner et de donner encore pour préparer la période post-confinement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et j'ai écrit 50 points de prière contre les femmes et les maris de nuit. C'est simple, il y a un troisième lien sur le statut de la vidéo. On a écrit Telegram, ok? Cliquez dessus, téléchargez Telegram sur vos téléphones et cliquez dessus, ça va vous basculer directement. On vous demandera de rejoindre le groupe. On est déjà près de 1200, 1300 ce soir. Alors, allez, là où vous serez, on vous envoie, vous allez voir le PDF des 50 points de prière que j'ai écrit. Comment prier pour les femmes et les maris de nuit, parce que demain, on va utiliser cela. Alors, je conclue en disant ceci. Allez sur Telegram, voici le programme. À partir de minuit, nous commençons le jeûne. Nous ne mangeons pas, nous ne buvons pas. Pas de manger, pas de boire. De minuit à 18h. Tu ne manges pas, tu ne bois pas. À part ta salive, tu ne manges pas, tu ne bois pas.
Oublie ça, c'est le jour de ta délivrance. Alors, on a une nuit qu'on appelle ma nuit de délivrance. Ça sera à partir de 23h, heure de Kinshasa, minuit, heure de Paris, et 22h GMT, c'est-à-dire heure d'Abidjan aussi. Donc, soyez très nombreux à jeûner avec nous demain. Et nous allons être là la nuit de minuit, heure de Paris. Donc, minuit, 1h, 2h, 3h. Vous allez voir mes guerriers de la prière ici. On va prier. Je vais enseigner téléphone ouvert. On va prier, prophétiser pour les gens. Dormez tôt demain parce qu'on va prier et travailler la nuit. Je vous aime profondément et je vous remercie de m'avoir suivi ce soir. On va se retrouver, si Jésus ne revient pas demain, à partir de minuit, heure de Paris, 23h, heure de Kinshasa, 22h GMT pour une nuit de délivrance, de prière et de fire, fire. Demain, ça va être le feu ici. Donc, sois déjà prêt, invite tes amis. Nous serons tous à la veillée de prière. Je vous bénis tous, là où vous êtes, autant que vous êtes, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci encore à la technique qui est avec moi et on se retrouve demain. Shalom. Ta main, Esprit, ta main sur nous. Ta main, Esprit, en ces lieux, en ces lieux. Main, Esprit.